l'ensemble des organisations politiques de l'opposition présentées devant la presse matin pour nous fixer position nous par rapport à la crise politique qui continue à ravager le pays d'Haïti. Après l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, nous constatons l'impérialisme à travers le groupe ambassade américaine qui est en tête de Mme Lalim, lui imposer au pays d'Haïti un gouvernement monocéphale en violation article 133 de la loi paysan. Et gouvernement monocéphale, ça, son gouvernement qui sans mission, lundi, un gouvernement qui sans mission, c'est parce que il n'a pas respecté ensemble des groupes qui ont bataillé dans l'opposition, par des consensus qui jouent sous gouvernement ça. Malgré ces impérialistes, ambassade américaine qui crée la crise là, eh bien, ils voulaient imposer nous une solution dans l'intérêt américain, dans l'intérêt impérialiste. Donc, nous-mêmes, nous, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons que les États-Unis ne sont pas à la fois juges et partis en même temps. Et c'est ça que fait. Nous avons opté, nous opté pour que l'article 133 de la loi paysan soit respecté à la lettre. Ça veut dire un gouvernement bicéphale qui gagne un président de la République et un premier ministre. Parce que le gouvernement monocéphale qui l'a, donc peuple haïtien pas reconnaître lui parce que pas de bon consensus politique à travers tout secteur dans vie nationale là qui mettait le campé là. Eh bien, ça cause gouvernement ça, son gouvernement qui sans mission. En pile monde a parlé d'élection. Eh bien, je vous dis, nous dit tout le monde qui a parlé, qui a conjugué vers l'élection, c'est des démagogues. Parce que peuple haïtien t'a prôné un gouvernement de transition de rupture structurelle et populaire qui prend couper fâché avec ancienne pratique yo, et ces mêmes discours ça yo yon série de leaders politiques traditionnels t'a utilisé et bien pour yo te sensibiliser population. Et bien une fois que après la mort Jovenel Moïse nous constater question gouvernement de transition de rupture question changer système non. Donc, avec ça, parole ça ne veut pas parler encore. Eh bien, nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons faut que le système a changé. C'est ça qui fait nous dire faut que le nouveau gouvernement de transition qui mette sous pied, dans le respect, dans l'esprit, article 133, qui a bien comme mission, eh bien, remettre campé et redynamiser toute institution publique, créer une commission d'enquête pour le fond. On vérification sur comment gestion pays a, comme pays a été qu'on a dépensé pendant 15 dernières années qui sont passées. Résoudre problème insécurité. Mettez campé une commission de désarmement pour nous résoudre problème insécurité une fois pour toutes. Mettez sous pied, craser conseil électoral ça. Et mettez sous pied un nouveau conseil électoral. Laissez nous être capable de parler d'élection. Et à partir de là, nous prenons capable de mettre différents petits pays autour d'une table pour nous joindre en série d'éléments de solutions avec ensemble des problèmes qui ont ravagé le pays d'Haïti. Et le gouvernement a une commission tout pour éliminer toute franchise qui est en série de gros autobrés qui a gagné. Parce que franchise, ça y est, la cause, l'État a tourné en vache. Qui s'en lève, ça veut dire que la cause de l'État n'a pas qu'à bâle petit l'ITT. Eh bien, je dis, nous croyons que même question, quand des malogues là, son bagage nous doit réviser, eh bien, ensemble des bagages ça y cause, nous pas qu'à parler d'élection. Et sans oublier, gouvernement transition, ça a une commission tout pour éliminer tout décret que Jovenel Moïse te prend après 7 février 2021. Yo, et après 7 février 2021, et n'a dit tout moun qui en Haïti qui a recevoir comme yo il faut que yo ka recevoir l'argent en dollars américains. Et bien dans sens ça nous dit bataille pour changer système non pour craser question monopole en Haïti la continuer
parce que nous-mêmes nous dit bataille son bataille systémique, eh bien il faut que ensemble des acteurs politiques faire preuve de sagesse et d'humilité politique pour que yo joignent une solution le plus vite que possible avec crise ça, pour que nous mettez sous pied un gouvernement de transition, de rupture structurelle et populaire pour ne pas poser problème pays d'Haïtien à la base. L'ensemble organisation politique de l'opposition présentée devant la presse par les écrits télévisés et en ligne matin pour nous venir fixer position nous sur les socio-économiques et politiques en tant pays. Dans le combat qui a mené contre le système corrompu, contre l'ingérence pays et l'alisson, contre le Congo, contre bourgeois qui n'a pas gagné nationalité haïtienne, nous allons continuer la bataille ça, parce que nous avons toujours dit la bataille pas non, de battre tout simplement à une personne, un individu qui dérèle Jovenel Moïse. Mais c'est contre le système non. Et dans le cas de ça, l'organisation politique de l'opposition vient annoncer à la population haïtienne non. Nous avons continué la bataille là, mobilisation sans prendre souffle là, pas camper dans la route, qui donc nous avons rendez-vous encore vendredi 4-6 août 2021. Nous avons une journée de mobilisation, une manifestation qui a dérapé sur place Constitution, place des Salines, Champ de Mars, pour nous capables monter sous la rue, virer maternité qui s'est nassé, tomber. Café au port, monte autoroute de Delmar, rive devant KPA, pour dire messieurs dames qui ont de KPA, qui a volé, gaspillé l'argent d'État. L'argent nous connaît déjà, 40 millions de dollars américains, quand on a parlé de référendum et élection, il y a des croisés, et bien il faut que ma explication, côté 40 millions de dollars, ça fait. Quand il passé, eh bien, manifestation, ça l'arrivée devant KPA, il va dire, monsieur, dame, ça pour remettre l'argent. D'ailleurs, ensemble, organisation politique de l'opposition, t'es porté plainte contre monsieur, dame, ça pour dilapidation fonds de l'État, qui donc l'argent, ça, il y a même le gombard pour dire. Malgré nous connaissons, il y a un ministre qui t'a parlé de l'argent, ça tout, qui dit de sauver. Mais nous allons demander pour la justice, mettre action publique en mouvement. Contre ancien ministre, tout le monde connaît déjà, c'est Mathias Pierre. Et 8 membres qui étaient dans le KPA, vendredi, nous pas dit 8 membres pour vider les lieux, pour ne pas jamais mettre des pieds dans le bureau KPA encore. Là, nous sortons devant KPA, nous avons privé devant Bibi. Nous pas dit à Madame Lalim, même je nous ai dit avec l'ambassadeur. Daniel Fout devant l'ambassade américaine, non. Eh bien, Daniel Fout, Fout ou derrière le pays, hein? Eh bien, même je tout, nous allons dire à Madame Laline, qui c'est le PHTK, Fout ou derrière le pays, hein? Parce que Haïti, c'est pour Haïtien, c'est Haïtien qui pour mettre tête ensemble, pour sortir avec résolution, pour nous dire voilà, mais comment nous allons faire pays, nous, pendant 30, 40 ans, 50 ans, qu'à venir. Eh bien, dans ce sens-là, nous croyons que la population haïtienne a un rendez-vous sous bétoire, militant, conséquent, citoyen engagé, professionnel, secteur protestant, catholique, vaudouisant, chauffeur montoyo, élève le col, étudiant, professeur, timachon, tout le monde. Nous connaissons les haïtiens qui nous ont dit qui pas passer. Eh bien, l'initié a nous pour nous faire. Pour nous faire une solidarité ensemble, pour nous faire gros match ça, manifestation ça, pour nous capables de jouer le résultat de ça. Un objectif là, c'est pour grâce à KEP ça, trois messieurs d'armes à voler, continuer à voler, gaspiller l'argent, parce que machine est dans le gaz est dans le quatre est dans le il y a gaspillé, il y a gagoté, 40 millions de dollars ça, il faut que vous remettez. Deuxièmement, pour en parler avec Madame Lalune, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord à l'ingérence qui a fait en deux pays. Voilà la raison pour laquelle il fait en son organisation politique de l'opposition et à l'IRO et nous tous, toute organisation, tout parti politique à Goumé ensemble, nous avons rendez-vous sous le toit
pour parler avec le groupe là et l'ambassade américaine, Madame Lalim, pour dire que Haïti, c'est pour Haïtien. Merci beaucoup. Je dis à nous-mêmes ingénieurs Jean Sondi François, secrétaire général Mouvement National Petite Dessalines MNDD, notre tête collée et en collaboration avec ensemble organisation politique de l'opposition, encore une fois, nous venons parler avec la presse, parler écrite et télévisée, spécialement la presse en ligne, pour nous faire connaître que, je dis un pays, l'arrivé dans une impasse, côté que tout s'assembler de rassembler. Pays arrivé dans une impasse, côté que, de bon complot, monde de bien, contre vagabond de pays ça. Pays ça, l'arrivé dans une impasse, côté tout le monde qui croit que, c'est petit Jean-Jacques Dessalines. Tout le monde qui croit que il y a 100 haïtiens dans ça tout bon pour mettre main en main pour nous bailler système 2% milates si au libanais juif américanisé a une réponse pour plus jamais pays ça pas jamais dans assistance encore depuis après assassinat Jean-Jacques Dessalines eh bien les deux pays ils ont divisé entre eux ils chaque prend au petit bout dans sacré les Haïti panou yo mette dans poche yo qui fait jodi hein jeune garçon dans cité soleil belé la saline ses amis yo gen dans mieux seulement dans place jeune école professionnelle dans place jeune bon travail depuis après assassinat papa nation nèg yo fait en sorte que yo assassiner projet justice sociale là nèg yo fait en sorte que yo assassiner projet réforme agraire qui pral fait que je dis au grand milac en de pays qui a gagné 800 carottes pendant que moi-même ingénieur Sondi m'a pas gagné 200e pourtant moi-même c'est petit de saline je dis nous venons chita là c'est pour nous poser question ça yo je dis nous dit noir sur blanc que quel que soit monde qui entre dans palais national quel que soit gouvernement qui monte sans nous faire de route eh bien c'est l'avait monsieur à terre. Parce que nous tous conscients que pourquoi nous ne pouvons pas faire rien pour Haïti. Et le moment arrivé pour nous mettre main en main, pour nous bailler une réponse avec le système ça. Système qui fait aujourd'hui, c'est nous députés, c'est nous sénateurs, c'est nous ministres et c'est nous présidents, mais c'est nous pauvres. Système qui fait aujourd'hui, c'est nous le plus gros poste de l'État, mais nous prenons toute richesse pays pour te bailler 2% de monde qui va en Haïtien même. Et le pire, yo pas serré comme yo dans banque Haïti, yo serré comme yo dans banque à l'étranger qui fait jodi hein. Pays ça rive dans niveau là. Et bien c'est l'optique ça. Vendredi 6, nous pral manifester pour dire corps groupe suspend ingérence de pays ça. Nous pral manifester contre les États-Unis, la France, le Canada pour nous dire si corps groupe t'est mobilisé contre kidnapping des haïtiens, t'a joindre la vie meilleure. Nous allons dire, si un groupe te mobilisé contre la misère, laisse la population capturer la vie meilleure. Nous allons dire encore, si un groupe te mobilisé pour bien-être, peuple haïtien, nous allons garantir tout le milieu de Libanais qui casse caisse l'État à travers esclaves domestiques qui ont été ministres, directeurs généraux, députés, sénateurs, et bien, bien on a gelé dans la banque internationale et laissé d'après pour ce pays. Et bien, nous venons là aujourd'hui pour nous dire, le 6. Nous avons tout le haïtien sous place constitution, côté que nous prenons la direction Bini pour nous parler de groupe, pour nous dire qu'on groupe, si ce n'est pas faire corps sur le haïtien. Pour nous dire qu'on groupe, nous avons une chance aujourd'hui pour nous poser un grand problème, pour nous dire mais côté nous prenons la pays. Parce que je dis, qu'on groupe n'a pas qu'à penser, les cabanes de Haïti, Jean Livlel. Depuis nous fait, nous jouons exécutif là, sur la constitution, nous avons deux têtes au gouvernement. Et puis, au président, et bien, je dis, pourquoi le groupe gère tout avantage, tout intérêt qui est dans le pays, et bien, il voulait imposer nos premiers ministres qui nous fait élection dans le pays, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas fait. Et bien, je dis encore une fois, nous remercions les Haïtiens pour confiance qu'ils mettent dans toute organisation de base, pour confiance qu'ils mettent dans nous-mêmes comme bataille. Et bien, je dis encore une fois, rendez-vous au cassé, place Constitution, vendredi 6, pour nous bailler, corps groupe américain, Canada, la France. Une réponse à vous pour nous dire, mais ça qui est vraie revendication pour les haïtiens. Merci.